Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. On est lundi 8 avril, il est 11h53. Et depuis ce matin, je suis trop contente parce que j'ai un de mes beaux-frères qui est passé à la maison. Il est là. On se voit très très peu. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était à l'île Maurice. Parce qu'avant, on était voisins. Ça veut dire qu'on habitait à une rue de décalage. Et maintenant, on habite à combien de kilomètres de décalage? On a plus de 900. Hein. Plus de 900 kilomètres. Et ça, leur départ à ma belle-sœur, à mon frère, ça a changé ma vie. Genre, ça a changé ma life, ça a changé mon quotidien et tout. Donc là, ça fait trop plaisir. Je me lève ce matin de voir qu'il était là. J'ai l'impression que ça m'a replongé dans le passé. Du coup, j'ai ma belle-sœur en visio, elle n'a pas pu venir. Mais en tout cas, je suis grave contente. Donc là, on profite un petit peu avec lui, on est avec les enfants. Et après, on va sortir parce qu'on est vraiment de chez une dernière minute et qu'il nous manque des trucs pour la vie, en fait, tout simplement. Donc on va aller, je ne sais pas encore trop. Donc je vous ramènerai, je vous dirai. Non mais tu vas pas mettre la même gilet là-bas pendant toutes les années qui se suivent et se suivent encore et encore. Elle aime plus à ta taille. Regarde ses manches. De base c'était pas un t-shirt, hein. C'était une longue manche. Donc bref, écoutez, je vais vous ramener avec moi pour cette nouvelle journée. C'est parti là. Du coup je vous retrouve. Là je vais aller avec Ali acheter des gilets là-bas et tout pour demain Inch'Allah. Je vais rejoindre Ali dehors avec mon beau-frère. Mon beau-frère il va partir. Donc comme je vous disais, hein, on se voit très 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 peu maintenant. La dernière fois qu'on s'est vu c'était à l'île Maurice. Mais en fait votre quotidien il change de ouf quand tu passes de voir quelqu'un. Franchement, 3-4 fois par semaine, à genre aller 2 fois par an, ça nous rend tout le temps un peu triste et nostalgique. Mais bon, après, c'est la vie et puis ils sont très bien où ils sont et on est très heureux pour eux. Tu arrives, mon doudou? Donc bref, voilà, là, je vais rejoindre Ali. On va voir si on va soit à Corbeil pour acheter des gilets là-bas, soit peut-être Évry. Il m'a dit qu'à Évry, il y avait un magasin, donc écoutez, on va aller voir. Donc là, la lutte, c'est soit potentiellement demain, soit après-demain. J'avoue, j'aimerais bien que ce soit mercredi. Parce que moi, demain, j'ai organisé un tour avec ma belle famille. J'ai trop envie de les avoir à la maison. Donc voilà, de toute façon, on verra. On sera au courant aujourd'hui. Bismillah. Donc là, écoutez, on va y aller. Il fait bon. Genre, on n'a plus besoin de prendre de manteau quand on sort. Alors, mon plus grand bonheur. Ça, c'est des trucs, je jure, dans la vie. Ça me rend trop heureuse, genre. Est-ce que tu t'en sors? Bah non mon cœur, là c'est moi. Papa il aime pas dans la voiture chérie. Allez c'est parti. Moi ça m'étonne si c'est demain l'Aïd, c'est Poupou elle va venir demain. Même Poupou elle vient pas pour l'Aïd mon amour. Je sais que c'est trop triste. Tan si tu passes par là, tu manques aux enfants tous les jours. Elle parle de toi tous les jours. Et on essaye tout le temps de se faire des trucs ensemble genre à mi-chemin. Et jusqu'à présent, on n'a pas encore réussi, mais il faut vraiment qu'on cale ça, Inch'Allah. Allez, go, c'est parti. Je vous ramène avec moi. Village. Ouais. C'était quoi comme village? Je sais pas, je me suis marché, mais il était vraiment pas. J'ai trouvé des trop beaux, enfin une très belle gilet là-bas, je vais vous la montrer après. Il avait dit ça dans ma soeur. Oui, j'ai vu. Mais encore là, je vous montre pas tout, mais il y a grave du choix, les prix sont archi raisonnables. Par exemple, là, c'est 24 euros. Donc voilà, je fais le tour, mais moi j'ai trouvé cette couleur, elle est trop belle. Mais là, je cherche pour les enfants, je suis pas sûre qu'il y ait ici. Mais il est bien ce magasin, j'avais acheté une tenue pour aller ici pour le mariage à mon frère. Regardez, c'est beau, hein, la matière est très belle. Hein. Et c'est pas cher, genre 22 euros. 19,99€. Celle-ci est très belle aussi. Ah, c'est simple, mais c'est beau. Hein. J'aime bien la couleur. Bon, j'ai dit dernière minute. Dis aussi cadeau, paquet cadeau, etc. de dernier pour la île. Mais ça reste quand même des achats réfléchis là. Il n'y a rien que j'ai pris au hasard. Donc, et d'ailleurs, j'ai pas pris grand chose. Il y a ça et un cadeau là qui n'aille pas porte. Mais voilà, rien de ouf. Je cherchais du petit. Je cherchais du papier. Comment ça s'appelle le papier fleur là? Le papier transparent là. Ouais, le papier transparent. Sauf que impossible de trouver. Il n'y en a plus du tout. Les filles, je vous retrouve. On est rentrés à la maison. En fait, on est tellement pressés parce que Ali doit taffer. Et en fait, moi aussi. Il y a un petit souci avec une des vidéos UGC. Ce qui fait que là, il faut qu'on fasse une séquence. Et du coup, bah là, faut vraiment qu'on s'active. Laïna, s'il te plaît, Doudou, va manger toi. Il est 14h, les enfants, ils n'ont même pas mangé. Donc là, on s'active, on fait la dernière séquence. Et après, moi, je prends les enfants et je vais y ramener les enfants au parc
Je vais rejoindre ma belle-sœur et mes nièces. Et j'ai acheté plein de trucs que je vous montre tout à l'heure. Donc écoutez, je m'active. Mon trépied est là. Je m'active, c'est parti, let's go. Bon, ok, je vous reprends. On a terminé de tourner la vidéo. Là, je vais changer Sohan parce qu'il fait trop beau et qu'il est en jogging. Moi, j'ai mis cette robe. Je la trouve vraiment trop, trop belle. Et cette robe, je la tue. Je l'ai achetée en Espagne. Je l'ai achetée en Espagne, cette robe. J'avais eu un coup de cœur dessus et franchement, j'ai pas cessé de la mettre. Donc, zéro regret. En plus, ça, c'est un souvenir. Chaque fois que je la porte, je repense à... Ah bah les beaux moments qu'on a passés là-bas. D'ailleurs j'en cherche encore plein des comme ça, j'aime trop. C'est space, enfin ouais c'est space hein. C'est pas tout le monde qui aime mais moi j'aime trop. Et donc merci ma vie, il vient de me dire que je suis belle. Parfait le haut. Est-ce que tu peux voir s'il y a un bas? C'est un truc un peu léger. Sven il a pas trop de vêtements ici hein. Pas de jeans. Donc bref, oui ma vie. Coucou. Ce soir, si c'est l'aide, demain, il faut que j'ai terminé de tout envelopper et tout. Donc ça, c'est les cadeaux. Non, ça, c'est le manteau de Sohan. D'ailleurs, on a pris des tenues pour... Regardez juste les couleurs. Ça, c'est la tenue de la... Ça, c'est la couleur pour la tenue de Sohan. Ça, c'est la tenue de Leina Rose. Et là, c'est la tenue d'Inaya. Non, je ne les sors pas. C'est une surprise. Et moi, ma tenue... Regardez juste la couleur. Et pour le coup, c'est Sohan qui a choisi parce que j'hésitais entre deux. Bref, voilà, j'envelopperai ce qu'il faut tout à l'heure. Là, il faut vraiment qu'on y go. Je suis trop contente, c'est un bon moment qui s'annonce. À moi, quand il y a du soleil, je revis. Genre vraiment, je revis. Hop là, bon, Ali a conduit tout à l'heure, du coup, on va tout dérégler. Hein ? Je vais casser mes lunettes. D'ailleurs, c'est trop trop belles ces lunettes, les filles. C'était une collab. Bon, ah, par contre, je vois rien. Non, je vois juste pas les écrans. C'était une collab trop trop belle. J'en ai profité à Maurice. Là, ils m'ont recontacté pour m'offrir 3 paires de lunettes en échange d'une petite pub. Franchement, j'ai dit oui. J'aime trop les lunettes de soleil. Je sais que je vais les utiliser comme là, vous voyez, et comme je les ai utilisées à l'île Maurice. C'est ouf, hein, la différence entre papa et moi. Il y en a une, Sonny l'a cassée. Ouais, donc en fait, c'est pas du gâchis, j'en ai besoin. Et puis j'aime bien vous présenter aussi des bons plans. Là ça va être l'été. Donc si potentiellement vous cherchez des lunettes pas trop chères, parce que ça tourne autour de 20 euros. Ça tourne autour de 20 euros. Et franchement elles sont grave bien. Donc bref, go. Vous êtes contents? On y va les enfants? Oui. Inaïe, elle est en PLS, hein. Le jeûne c'est dur. Moi j'avoue j'ai trop d'énergie. Et pourtant là du coup bah, je peux pas jeûner aujourd'hui. Donc je m'étais levée et tout ce matin. Et au final, bref, je peux pas jeûner. Et j'ai bu un café. J'ai mangé un macroude. Et c'est tout. Aïe, 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 on a une demi-heure de retard. Allez, go. Ça, c'est la récolte de ma nièce. Elle a des escargots dans son carton. Et ça me fait trop rire, parce que quand j'étais petite, je faisais pareil. Et après, je donnais de la laitue à mes escargots. C'est quoi, la laitue? La laitue, c'est de la salade. Maman, elle a fait des dates au Nutella, des trucs comme ça. J'ai essayé, j'ai remplacé. Sachant que c'est... j'achète en pharmacie, hein, donc il n'y a pas de gélatine, c'est 100% naturel. Il n'y a pas de porc. Il n'y a pas de porc, il n'y a pas de trucs. Donc je les ai mis dans le chocolat. Hey, tu sais que... Bismillah. Tu sais que hier, j'ai mangé un truc à toi parce que ma belle-sœur, elle a pris ta recette. C'est vrai? Ouais, les feuilletés kebab, c'est très bon. D'ailleurs, quand je mange pas, c'est trop bon et tout. Elle a dit, mais c'est la recette de chez Zik. Je suis flattée. C'est bon? Et ma maman, elle a pris des... Ça y est, on y va. Sohan, il s'est donné à ça. Il a grave joué. On est venu dans un petit parc. Oui, mon amour. Je vais passer chez toi vite fait et après je vais rentrer. Maman, c'est ce qui s'est passé. J'allais passer vite fait. Je dois prendre mon pari là, ma boîte. Ah oui, ta boîte, ah oui. Sohan, tu viens? Maman, c'est ce qui s'est passé. Ta grand-mère, ça, je suis tombée, ça allait tomber avec moi. Du coup, là, on est en train de rentrer du parc. Regardez juste ce chemin comme il est beau. Bon, mon amour. Elle veut pas rester là, mon doudou. Mais elle veut pas, mon doudou. On fait tous les enfants, non? Oh non, oh là là. En fait il voulait qu'elle que soit là. Oui, il est trop triste qu'elle soit partie de la poussette. Bah, du coup j'ai mis ma nièce avec Sohan. Mais ma nièce elle en a marre. Elle veut être au bras. Et du coup Sohan il est triste. Non, pour par terre, elle veut pas. Tu veux, maman? Mais c'est juste trop joli ce petit chemin. J'aime trop. Ça sent bon en plus. Il fait des shootings avec Alina là. Mais c'est trop. J'aime trop. L'année dernière ils avaient fait ça. Comment? Il m'a dit ouais. Il m'a dit sur le chemin de l'école on a fait un shooting. Et là on a combien de temps de la maison là? Tu veux marcher? Tu veux marcher? Vas-y, détache, détache. Seulement tu cours pas trop bébé, hein, parce que tu fais beaucoup tomber là avec tes crocs. J'ai envie de prendre un bouquet, mais je suis trop petite. C'est trop beau. J'ai envie de sauter. Il est 18h40, je repars de chez ma belle-sœur. Ah, bientôt. Alors, on a eu l'information officielle là que l'Aïd c'est pas demain, donc c'est pas mardi, c'est mercredi. Du coup,
Là, je vais passer vite fait à action. Il me faut, donc c'est du papier cristal. Vous savez, c'est le papier fleuriste là qu'on utilise. Parce que j'ai envie de faire des petits sachets de bonbons donc pour les enfants. J'ai un programme pour l'Aïd. Inch'Allah, tout se passe comme prévu. Quoi qu'il y a déjà un truc qui va peut-être poser problème là si c'est mercredi. Donc bref, on verra, c'est pas bien grave. Là, je passe à action, prendre du papier cristal. Après, on rentre à la maison. C'est la douche pour les enfants. Vous savez, après le parc là, ils sont tombés, ils ont transpiré. Oui, tu peux, ma chérie. Et moi, maman Ça va être chacun son tour. Donc voilà, moi je vais faire manger Sohan et Leïna. Sohan, on va le coucher assez tôt. Ah, mais non, ça c'est action à côté de chez moi. On va arriver à la maison déjà vers. Moi je connais maman le. Il y a action, ouais, c'est à 10 minutes. Oh, c'est pas un moustique ça. Là je vais prendre un bain, maman, la première. Si tu veux. Bref, go à action et après on va rentrer à la maison. Bon, je vous retrouve, je suis pas du tout passée en fait à action. Une fois que j'étais posée dans ma voiture, je vous cache pas, j'avais envie de rentrer, j'avais pas envie de faire un arrêt. Et je me suis dit, j'avais peut-être du papier cristal à la maison, donc je préfère vérifier. Et puis étant donné que l'aide, du coup, c'est pas demain mais après-demain, dans le cas où j'en ai pas, et c'est pas dramatique, hein, j'en prendrai demain. Mais en fait, c'est juste que j'ai envie de faire des petits sachets de bonbons pour les enfants, pour l'aide. Et du coup, le papier cristal, je trouve que ça, c'est vraiment chouette. Laïna, elle est obligée d'embêter son frère, genre H24. Ma belle-sœur, elle a donné des... Vas-y, mon amour. Ma belle-sœur, elle a donné des trucs pour Inaya, des chocolats dattes. Donc, c'est des dattes enrobées de chocolat et des guimauves aussi qu'elle a fait passer dans le chocolat. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je mets sur Instagram en barre d'infos. Elle a préparé des recettes pendant tout le mois. Elle nous a donné ça aussi avec du poulet, poivron et tout à l'intérieur. Vu qu'Inaya est jeune, alors moi pour le tour aujourd'hui j'ai rien à préparer. Du coup j'ai ça que ma belle-sœur elle a donné. J'ai aussi les chocolats dattes. Après j'ai du riz et du butter chicken que ma mère m'a apporté. Donc Inaya a envie de manger ça et il reste encore des spaghettis bolo. Je lui ai demandé ce qu'elle voulait. Sachez qu'elle m'a dit qu'elle voulait un peu de chaque. Donc écoutez si ça lui fait plaisir. Du coup voilà. 19h20, là ça va être le bain pour tout le monde. Ensuite le repas Sohan, Leïna. Je vais les coucher en attendant parce que franchement ils sont ingérables. T'as dit quoi bébé? Non, t'auras pas le temps de prendre un bain là, ça va être une douche mon amour. D'accord? Donc ça va être la douche, le repas et après je vais coucher les petits. Comme ça Inaya et moi on va manger toutes les deux tranquillement pour le tour en tête à tête. Et faut sachez que malgré que je ne jeûne pas aujourd'hui, je n'ai pas mangé un repas. J'ai pas eu le temps, on a fait que de courir. Et du coup j'ai pas mangé un repas donc j'ai faim mais je me dis vas-y je vais attendre Inaya. Comme ça on mange ensemble. En plus la pauvre elle me dit est-ce que je vais manger toute seule et tout. Mais non, je peux pas la faire manger toute seule pour le futur, ça me fait trop de la peine. Donc voilà, là voilà. Je vais faire ce qu'il y a à faire. J'appelle ma mère aussi prendre des news. Et puis on se retrouve hein. T'as pas épicé de ouf, ça va. Sohan, aujourd'hui je te fais manger comme un roi. Mon amour. On dirait que c'est un roi. Et mais en fait il a une bosse sur la tête, genre il est vraiment tombé. Hein. J'ai vu comment il est tombé, mais je savais pas que sa tête avait tapé en fait. Moi j'ai vu vite fait la tête, c'est tout. Mais vite fait, tu sais. Bah après, ouais, quand tu cours au parc comme ça, ça peut arriver. Je t'ai fait des nouveaux amis. Je t'ai fait des copains, mon cœur ? Non, mais des copines. Ah bon, des copines ? Une copine. Une copine. Tiens, de tout amour. Ça a l'air bon ton yaourt là. Maman ? Oui. Est-ce que tu pourras me donner des fraises et de la maman ? Oui. Il y a quelque chose qui est ouvert en haut ? Mais non, t'as joué ça pour ta soeur. De toute façon, le fil est dehors là. Qu'est-ce que tu veux ? Ouais, bonbon. Tu veux les bonbons ? Bonbon. Regarde mon amour. Mais. Ah, ils sont bons. Là il vient de prendre les gummies Peja Kid gomme sommeil. Donc je vous en ai parlé à plusieurs reprises. Moi ça l'endort, enfin ça facilite de fou l'endormissement. Par contre il y a encore des réveils la nuit. Bon les trois premiers jours non, mais enfin un seul. Là il y a quand même des réveils la nuit, mais juste l'endormissement il est rapide de fou. Donc voilà, je ne sais quoi vous dire. Ça fait quand même un peu de bien. Mais c'est pas non plus ce que j'aurais aimé que ce soit.
Du coup, là, il y a les tenues de l'Aïd, quelques cadeaux de l'Aïd. Je vais m'occuper de ça demain parce que là, en fait, il faut vraiment que je fasse le montage. L'heure de rien, l'heure est passée, il est déjà 22h. Donc, je vais me mettre à faire le montage. Là, je vais juste tout ranger et demain, Inch'Allah, on fera ça ensemble. En tout cas, j'ai juste trop hâte de voir la réaction des enfants quand ils vont ouvrir leurs cadeaux. Et encore, sachez qu'il manque pas mal de choses. Là, pour les cadeaux, j'ai essayé de leur faire plaisir sans acheter n'importe quoi. Genre des choses qui vont casser en deux jours et tout, franchement, flemme. Donc, j'ai essayé de prendre des choses qu'on a besoin aussi, comme ça. Je me dis que ça, pour cet été, ça va être hyper bien. Surtout quand on est parti à Maurice la dernière fois. À un moment donné, il y avait une tortue. Au final, je crois que c'est la cousine de Inaya qui lui avait prêté. Inaya, elle a pu la voir avec ses lunettes. Elle était trop contente. Et du coup, on s'est dit que la prochaine fois qu'on ira, on fera du snorkeling. Et comme ça, elles pourront regarder les poissons. Et je pense que ça va grave les aider. Donc, j'ai pris pour Sohan et un pour les filles. Mais en vrai, Sohan est petit. Donc, pour l'instant, ce sera pour les filles. Enfin, bref. Du coup, je vais ranger ça demain. Et je m'arrête ici pour cette vidéo. Je vous remercie une fois de plus pour tous les commentaires. Franchement, ça me fait trop plaisir. Merci, merci, merci. Une fois de plus, je prendrai le temps de répondre à tout le monde. Je vous fais de très gros bisous. Et d'ailleurs, le jour où vous regardez ce vlog, bah non, c'est pas encore l'Aïd. C'est le dernier jour de Ramadan. Donc écoutez, on se dit à très vite pour la fête de l'Aïd ensemble. Je vous fais de très gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et à très très vite.